Mesdames la société, André Michel retourné. Après plus passé un mois silence sur réseaux sociaux, André Michel tourné avec un tweet qui quand même levé mort et voir permettre moun fou rejoindre bon sens. Qui sa tweet ça dit exactement? Nous pral tande ensemble avec moi. Chargé d'affaires pays États-Unis en Haïti, Eric Strohmayer, j'aime te annoncer nous déjà, eh bien, te répondre quelques questions sous cause des âmes qui ap rentré en Haïti, mais surtout, pour qui ça y a cancel visa et pour qui ça y a voyé haïtien retourner comme ça la caillou. Ensemble, nous pral garder yon interview tout à l'heure comme ça, ensemble avec Eric William Strohmayer. Je t'ai annoncé déjà, parti petite Dessaline, foulé béton jeudi 17 octobre 2022, pour capable honorer non seulement mémoire papa Dessaline, mais aussi pousser américain suspendre, soutenir gouvernement de facto, PM Ariel Henry, nous pralouè qui j'en sali même, l'ité sous place Dessaline, côté petite Dessaline, yote débaqué, à déposer, yon jeb flè, nan pied papa nation. Puis devant nous gagne un gros scandale qui pète dans le pariage PAM, mesdames et messieurs, côté divers moun débarqué devant bureau pariage PAM yo, cadenasse yo ensemble avec tout employé en dedans yo, puisque yo joué, yo gagné, yo pas qu'à toucher. Ou pour joindre détail. La police nationale d'Haïti mettait dans ménage trois bandits samedi qui sont passés à la dans l'île à voix à bon repos. Côté bandits, ça eux-mêmes, yo spécialisé yo dans braquage ensemble avec enlèvement. Dernière information, nous, dans le titre pour aujourd'hui, a tourné autour de la mort tragique du musicien et chanteur haïtien Michael Benjamin, côté Tidjo Zeni lui-même. Li voye yo message pour tout haïtien, mais surtout pour moun ki kebe, frère, cousin, parrain, tonton, zami, Mika Ben Namel, qui c'est Frédéric Dupou. Et c'est saisissement ça qui t'a la cause. Mika Ben pata avec nous, journée jodi à la. Coucou tout le monde, bienvenue sur Info 5, chaîne Information Nouan, avec Fabula Jean-Charles. Encore une fois, c'est un plaisir pour nous rentrer la caille ou à rubrique Information ça. Et bien avant nous aller plus loin, on apprend temps pour nous dire merci ensemble avec vous-même qui like, qui commente, qui partage. Et merci ensemble avec vous-même qui toujours invite yon famille ou bien yon amis ou venez abonner ensemble avec Info 5, puis capable toujours être connecté ensemble avec bon information. Jodi a, c'est 17 octobre 2022. Après plus passé un mois, nous partageons André Michel. Depuis après, plusieurs militants ont débarqué la caille, ils mettaient du feu et saccagé. Et mais André Michel a pris une pause sur les réseaux sociaux. Côté le tourné, jeudi 17 octobre 2022. Et tweet ça. Tweet ça, nous prenons le temps de là, mesdames et messieurs. Tweet ça, nous avons gardé sous écran, nous là, mesdames et messieurs. A poussé nous poser tête nous question. Est-ce que tête moun sa yo droite en de pays ya? Est-ce que agrement sa yo yon bon lè ya resikebe yon sel koule? Qui sa tweet la dit? 17 octobre 1806, yon assassiné Dessaline parce qu'elle y pat ve yon ti goup moun pran tout pou yo. Décision gouvernement Ariel Henry prend pour fait Chabrak yo paye la douane pour l'État ka jwenn moyen pour aider population an, pa dépamment ak vision papa nation an. SDP dit honneur, respect pour Jean-Jacques Dessaline. Il y a plusieurs mots qui intéressent nous là. OK? Yo assassiné Dessaline parce qu'elle n'est pas de vie pour un petit groupe moun seulement te capable de jouer. Et décision gouvernement Ariel Henry pour faire gros chabrak yo payer la douane, pas différent de vision papa nation. Est-ce que c'est tout bon vrai? Pour journée jodi à la, n'a pas gardé que peuple haïtien a passé bataille Jean-Jacques Dessaline, Pétion, Christophe, Gabin, tous ces l'ouverture. Est-ce que c'est tout bon vrai que Macandal, Boukman, ensemble avec tout esclave qui se levé campé, yo te dit non, nous passer en bas pied. Pour journée jodi à la, pour André Michel gen assez audace pour le comparer vision Jean-Jacques Dessaline ensemble avec vision gouvernement Ariel Henry qui la douane. Hein? Qui force payer la douane? Dis-moi qui décision Ariel Henry après là exactement qui gen pour ensemble avec décision Dessaline te prend pour capable unifier pays d'Haïti.
Décision Jean-Jacques Dessalines te prend pour chaque monde te capable de manger dans bol yo. Décision Jean-Jacques Dessalines ni même li te prend pour te capable permettre peuple haïtien jeune jodia te capable gagner yon pi bon vie. Gouvernement Ariel Henry a André Michel. Mais mémoire coûte en pile. Mémoire coûte en pile ti André. Si jeune jodia là ou capable camper pour défendre gouvernement Ariel Henry a même gouvernement ça ou te dit qui pas gagner bagage légal légitime à constitutionnel pour mettre sous pied tout projet que pays d'Haïti t'a supposé à supporter tout projet qui t'a supposé aider pays d'Haïti avancer je jodi à là ou tourner yon chien qui a niché malingue sous deux bourriques nous vraiment déçus André Michel 3 ans a mené un combat pour te capable pousser pays d'Haïti nan fossé ça que lié jeune jodi à là pour même ap défendre gouvernement Ariel Henry a quel comble nous prenons nous tout fonné un peuple nous tout fait un peuple parce que jour ça c'est un jour nous t'a supposé respecter jour ça côté papa nation mouri assassiné en bas mais je paquet individu mal intentionné parce que décision qui t'a prend pas de bon pour eux jour ça c'est jour pour nous réfléchir pas jour pour nous voyer monter li pas jour pour nous voyer monter eh bien mesdames et messieurs mais pour qui ça André Michel sorti nan titre sourit li a nan titou rat li a pour capable normalement vin parler de papa nation vin tani mémoire papa nation Jean-Jacques Dessalino nou gen assez oui Jean-Jacques Dessalino nou wè assez nou pa te fè bwa kayman pou nou servi l'étranger Jean-Jacques Dessalino nou rive nan tout bouto pays a en danger. Je ne jodi à la, tout projet la vie nous passe en bas pied. Et bien, Meli, peuple haïtien, déclaration, soi-disant, avocat peuple, André Michel. J'aime te annoncer nous, puis devant mesdames et messieurs, nous gagnons Eric Strohmayer. Eric William. Strohmayer, faut nous bailler tout nol. Qui s'est chargé d'affaires par intérim États-Unis en Haïti, qui te vine remplacer Kenneth Merten, qui a expliqué, qui a bail détail sous question choléra, sous question zam qui a rentré en Haïti. Ensemble avec moi, entendez déclaration Eric Strohmayer. Beaucoup de questions. Il y a beaucoup de fausses informations qui circulent sur les réseaux sociaux. Et j'espère que je peux aider votre public à mieux comprendre comment moi et le gouvernement américain voyons la situation et ce que nous faisons pour y remédier. Nous agissons aussi rapidement et aussi urgemment que nous le pouvons. Nous reconnaissons qu'il s'agit des questions très urgentes et que la vie de milliers d'Haïtiens peut-être plus est en jeu. Nous le prenons très, très au sérieux. Première chose que je veux vous dire, c'est que nos experts en santé publique, les mêmes experts américains qui ont travaillé avec les Haïtiens pendant des années pour lutter contre le VIH-Sida et la tuberculose, constatent qu'il y a une très grave épidémie de choléra qui s'élance en Haïti. En collaboration avec le ministère haïtien de la Santé, ainsi qu'avec nos partenaires internationaux et non gouvernementaux, nous faisons tout ce qui est en notre pouvoir pour y remédier. Quiconque vous dit le contraire vous conduit en erreur. Pour apporter à l'aide nécessaire afin que nous puissions tous vaincre le choléra, les professionnels de la santé ont besoin de carburant pour purifier l'eau, atteindre les populations touchées et assurer la livraison des médicaments. Il faut réouvrir le port pour faire face à ces menaces. La menace est encore plus grande en raison de la faim et de la faiblesse dont souffrent tant d'Haïtiens. Là encore, directement à cause de la situation de blocage au port. Aucun d'entre nous ne peut faire ce qu'il faut à cause de la situation dans les ports. Chaque jour qui passe signifie que plus de personnes vont mourir de choléra. Ne nous y trompons pas. Ce qui soutient le blocage des ports et qui profite du marché noir et de l'impunité met en danger la vie de milliers d'Haïtiens. Ce n'est pas une fausse information. Pour relever le défi de choléra, notre gouvernement a demandé à la communauté internationale, y compris à mon pays, une assistance armée. Le secrétaire général des Nations Unies
a demandé à la communauté internationale, y compris les États-Unis, de répondre d'urgence à cette demande. En tant qu'un ami d'Haïti, les États-Unis se sont engagés à répondre d'urgence à l'appel et à prendre des mesures pour s'assurer que le choléra soit traité rapidement et efficacement. Nous continuons à examiner la demande d'assistance internationale urgente en matière de sécurité et armée formulée par le gouvernement haïtien. Pendant que nous travaillons avec la communauté internationale pour répondre à cette demande, je veux vous parler brièvement de certaines mesures que nous avons déjà prises. L'USAID a annoncé le déploiement d'une équipe d'intervention en cas de catastrophe qui aidera Haïti à lutter contre l'épidémie du choléra. Le CDC et l'USAID travaillent aux côtés du ministère de la Santé et les autres partenaires afin d'aider Haïti à combattre cette maladie mortelle. Le CDC a mobilisé des ressources pour se procurer des outils et des services importants pour combattre cette épidémie et l'USAID a déjà fait des dons divers pour aider le système de santé haïtien à faire face et nous continuerons à le faire avec nos partenaires internationaux. Les États-Unis ont annoncé des restrictions de visa à l'encontre de toute personne responsable d'avoir instigé la violence et des membres de leur famille. Nous continuons à réclamer des sanctions supplémentaires en matière de voyage et de finances contre ces personnes qui utilisent les souffrances des Haïtiens pour leurs intérêts personnels, y compris pour limiter l'importation illégale d'armes qui impactent si gravement la situation. Nous travaillons également en étroite collaboration avec nos partenaires des Nations Unies pour s'efforcer d'adopter des sanctions internationales contre ces mêmes personnes. Tous les Haïtiens savent que ces personnes sont au cœur de la crise. La semaine dernière, une délégation de haut niveau dirigée par l'agent secrétaire d'État Brian Nichols et des hauts placés dans notre département de défense et le bureau du vice-président Kamala Harris et d'autres ont visité Haïti. Ça souligne le sérieux avec lequel mon gouvernement prend cette situation. Ils ont rencontré avec le premier ministre Ariel Henry et des membres de son gouvernement, le groupe Montana, la PNH et des représentants du monde des affaires. Ils ont partagé le sérieux et l'urgence que mon pays accorde à répondre positivement à la demande du gouvernement. Ils ont appelé à la fin du blocus, pour la fin du blocus au port et ont souligné la nécessité pour tous les Haïtiens de se rassembler pour vaincre les menaces communes commune du choléra et de travailler ensemble pour identifier une voie consensuelle et inclusive pour faire face à la crise politique et économique. Le navire de la garde-côte américaine a navigué au large de Port-au-Prince et hier même les forces aériennes des États-Unis et le Canada ont mené un effort conjoint pour livrer des équipements essentiels que la police nationale haïtienne a achetés. Plus généralement, les défis d'Haïti sont nombreux, mais les États-Unis sont profondément engagés à aider Haïti à trouver une réponse à la demande faite et à trouver un chemin vers une prospérité et une paix durable. Nous savons qu'il n'y a pas de solution facile et nous partageons les objectifs pour tous les Haïtiens. Les rues soient sûres, que les écoles soient réouvertes, que l'eau potable soit disponible et que les élections soient organisées. Nous sommes profondément engagés avec nos partenaires à soutenir Haïti dans ses efforts pour réaliser ses objectifs. Permettez-moi de vous assurer qu'au plus haut niveau du gouvernement des États-Unis, nous travaillons côte à côte sur la meilleure façon d'adopter d'autres mesures en vue de répondre aux besoins pressants de nos amis, le peuple haïtien, en cette période qu'ils en ont le plus besoin. Nous là, Napkambé, Pajam Lagué, avec cela, je suis prêt pour quelques questions. Merci de votre attention. Je suis très content d'être avec vous aujourd'hui. Parfait. Alors, monsieur le chargé d'affaires, les États-Unis sont favorables à une intervention militaire multilatérale en Haïti. Le pays a déjà connu pas mal par le passé. Pourquoi ces précédentes initiatives n'ont pas réussi à consolider la démocratie en Haïti? Alors, peut-être vous ne savez pas, mais moi j'ai eu ma première expérience diplomatique ici à Port-au-Prince dans les années 90-91. Alors, je sais qu'il y a eu beaucoup d'efforts entre-temps et ça a abouti là où on est. Là, moi je suis pas un historien. Et de pouvoir vous dire pourquoi ça n'a pas réussi dans le passé. Je sais qu'il y a des inquiétudes par rapport à l'ingérence, par rapport à d'autres choses, mais je veux souligner que dans ce cas, ça c'est pas une geste unilatérale. Ça c'est à la demande de votre gouvernement. Comme si c'était un zinglando dans la maison de votre voisin et vous appelle au secours, c'est ça à laquelle on est en train de faire réponse. Alors, nous et la communauté internationale à l'instant sont saisis avec la menace du choléra. Et comment faire face, comme des amis, à pouvoir faciliter, à traiter quelque chose que les Haïtiens ont eu l'expérience. Ils savent très bien comment traiter cela. Ils ont la capacité
avec nos partenaires pour pouvoir l'assister. Mais vu la situation au port, ils n'ont pas les moyens. Et il faut qu'ils les aient, parce que chaque jour qui se déroule en train de bloquer ce port, ça n'a pas d'aboutissement politique. C'est en train de trouver des issues à bloquer la réaction à la choléra. Et alors, dans cette instance, c'est une réaction qui n'est pas comme les autres réactions, les autres interventions dont je ne suis pas historien à juger. Alors, j'espère bien que nous savons qu'il faut s'adresser à les raisons de base qui nous ont menés à cette situation. Et ça demande, comme j'ai signalé, comme M. Nichols a signalé, une solution haïtienne entre les Haïtiens pour pouvoir éviter que de telles choses se produisent dans l'avenir. Ça, c'est une partie de la situation. Et l'autre partie, c'est cette menace aiguë, présente aujourd'hui par rapport à la choléra à laquelle il faut que nous répondons. Et dans ce contexte, c'est pour ça que la communauté internationale veut faire une intervention à la réponse à la demande faite par le gouvernement haïtien. Là, on a tout de bagay sa yo. Ou sa mon senti ou ta di moun sa yo. BLGM. If you know, moun ki kopran, va kopran. Parce que pour les États-Unis kampe, li fè un pays tout mal sa. Pour les États-Unis kampe, mesdames et messieurs, pour les soutenir groupe armé comme ça en dans au pays. Parce que c'est ça la fait. S'il pas ta fait ça, je vous dis à la, gouvernement Ariel Henry a pas ta plat toujours. Mais je nous cherche en pile les États-Unis. Et mais je vous ai annoncé déjà, jeudi 17 octobre 2022, à, mesdames et messieurs, gagné Conseil de sécurité ONU qui a rassemblé sous cap pays d'Haïti, côté les États-Unis, ensemble avec Mexique, à prendre des décisions qui cruciales sous avenir groupe armé, ensemble avec politiciens dans le pays. À. Mais c'est 21 qui a venu là, côté NAPCAP, connaît exactement qui résultat qui tombe dans la qualité réunion ça. Puis devant, nous avons gagné, mesdames et messieurs, petite Dessaline dans Moïse Jean-Charles, je n'ai pas suivi là, qui te débarqué dans pied papa Dessaline pour aller déposer Jojiabe Fleur. Et j'en tout connais déjà, qui ont paquet partisans, accès partisans, petite Dessaline qui débarqué ensemble avec Moïse, côté, je gagne pour te prendre direction ambassade américaine, qui est capable de demander aux États-Unis pour suspendre support ensemble avec gouvernement de facto ou à PM Ariel Henry a dirigé. Puis devant, j'en t'ai annoncé, là, il y a trois individus que la police nationale d'Haïti arrivait mortellement blessé dans l'île à voix Bon Repos, côté yo saisi, yo 9 mm ensemble avec deux motos, 15 octobre qui sont passés à là, et yon nan moun sa yo rele Joelson, Dieu Juste, qui fête 13 juin 2002, qui compte spécialiser le braquage ensemble avec enlèvement Joti Moun qui gagnait seulement 20 années. Et bien la police nationale d'Haïti mette domi dans Géo. Jeanne Dedoula, gros déblosa et pété dans Pariage Pam. Pariage Pam, côté divers moun débarqué, normalement pour faire comprendre que yo gagné dans Pariage là, yo pas capable d'arriver toucher. C'est pas la première fois nous avons des qualités pleines de ça. Elle est vraiment important pour nous connaître et comprendre qui ça qui a passé à travers jouet de ça sur les réseaux sociaux. Et bien ensemble, mesdames et messieurs, on suit qui j'en s'atteye devant Jean Bureau. Pariage Pam. Nous nous c'est ça, moi-même, je dis quoi exactement 0-0, fini 0-0, qu'on y a dit, son erreur technique. Je dis, qui va gagner erreur technique, si tu gagnes erreur technique, et pas moi-même. Les faits, il fait erreur technique, je me dis, net. Je dis, il faut avoir pas de moi-même, il fait de droit. Il va sortir non. Parce que 4 millions de dollars, il y a payé aux techniciens, non, c'est erreur, c'est les techniciens qui ont évoqué, et pas même qui ont payé pour eux. Je ne sais pas. Vous ne pas chercher un cabinet d'avocat pour faire un processus, peut-être que je ne sais pas. Mais la presse en attendant, parce que tout processus là, je l'ai l'autre, m'a fait étape par étape. Si je vais refuser le gouvernement, je vais chercher un cabinet d'avocat pour faire suivi légal. Ok? Parce que nous gagnons. Jusqu'à nouvel ordre. Nous sommes servis aussi.
C'est vous seulement qui t'es joué? Non, 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 pas pas toujours payé, ouais. Mais mal touché là, sous la lit là. Bon, on est bien là. Manager a dit, remboursé mon blanc. Manager a dit, ça va le passer. Je vais jouer exactement pour 2000 gouttes, 27 000 gouttes. Le manager sous la lit a dit, ça va Olympique là, c'est remboursé à remboursé comme moi. Et les jeunes là, pas pour amateur. Pas pour amateur. Et amateur, c'est réel. Nous sommes même pas pour consommer. Nous pas dans la réponse là. Réel, pas pour amour et problème. Voilà, mesdames et messieurs. Bagayo compliqué nan meti monsieur dame parage pamyo et n'ap rappelo dans mois qui sont passé à la yo te kidnappé nan plage privée propriétaire parage pam nan qui c'est yon russe et izo ensemble avec vite l'homme là yo mette ensemble pour capable kidnapper moun yo mette ensemble pour faire méchanceté ça veut dire là yo qui doit prendre moun matisan et pourtant li qui t'arrivé torsel peigné nan mais vite l'homme j'aime te dire nous hein. Dossier la mort Mika Benin li a continué côté normalement là et bien Tit Joseni lui-même li arrivé by quelques détails li arrivé adressé ensemble avec peuple haïtien ensemble avec bandi yo au moins pour un dernier hommage pour Mika Benin libéré Frédéric Dupou qui c'est cousin Mika Benin parrain Mika Benin et puis qui baptisé petit li ça qui veut dire Mokopel et bien avant que Mika Benin te monte scène. C'est là ça, li pral apprendre que yo kidnappé cousin. Ça a te vin tourné yon choc pour lui. Je ne jodi a la Mika Benin pa la encore. Les gens pa jan mouri, c'est vrai, mais Mika Benin ni même, il pa existé encore. Pour mémoire, pour toute ça te kon fait nan non pays d'Haïti, nan non kilti haïtienne an libéré Frédéric Dupou. Qui tombé a nan gros concert ça que monsieur t'a fait avec monsieur Karimi que m'a complimenté qui fait belle bagaille ça pour Haïti monsieur son nèg qui gen cousin que yo kidnappé depuis 3 jours monsieur pas dormi monsieur stressé cousin ça c'est un coup frère lié qui baptisé petite li qui baptisé mariage li Mika Benin pas en état du tout pour te monter stage là et c'est pour ça moi vle que nous connaît là. Faut nous voir un message pour nous dire Mika mouri. Mika mouri dans pied travail li. Monsieur mouri son podium. Monsieur mouri dans pied travail li pour nous, pour Haïti, à drapeau le soukoul. Pour nous faire plaisir, s'il vous plaît, n'a mandé tant pri, libérer cousin qui nan main kidnapper, s'il vous plaît. C'est ça seulement que m'ta remet que nous tout fait message ça passé. Monsieur relé Frédéric Dupou, monsieur son photographe lié. Monsieur Namé Negyo, Mika fait 3 jours, il n'a pas dormi. Mika est stressé à mort. C'est frère Mika qui a négocié le kidnapping. Je demande aux médias, s'il vous plaît, passez ça. Passez le message ça pour nous. Ça m'a dit nous-mêmes, Tidjo, nous gaspillons l'énergie, nous, dans la rancune, dans la jalousie, dans l'hypocrisie. Nous gaspillons trop d'énergie, nous faisons compte pour des bagages qui ne sont pas nécessaires. Et voilà, mesdames et messieurs. Et nous ne pouvons pas aller sans pas bonne impression qui te gagne dans la rue aujourd'hui. Côté PM Ariel Henry a déposé Joseph Fleur dans le Panthéon, dans le musée, dans le Papa Dessalines. Papa Nation, yo krabine, assassiné Tchakone, 17 octobre 1806. An bogali, an suiv, ki je sa li même li te gen nan la rue, et ki déclaration ki te genye, ensemble avec divers militants qui te sous béton. Pour un bras souffri, Ariel Henry connaît, Dessalines bat assassiné mi bana. Ariel Henry connaît,
yo pa tagé cadavre de Saline dans mi bana. Mais Ariel Henry, jounen jodi a la, Ariel Henry pa ka vini pou le prendre au jeune frère pou vinn déposer en dans mi bana pou vinn déposer pour papa nation. Ça ça veut dire pour moi-même, ça veut dire pour moi-même, jounen jodi a Ariel bon peuple haïtien pour peuple qui pa ta l'école, pour peuple alpha qui pa alphabétisé. Ariel Bobé Baïtien, mon père qui est très Johnny Bézé pour être dans l'école. Johnny Bézé pour être dans le médicament. Choléra tourné. Si vous n'y avez plus pas de terre. Rosmila, comment si vous n'y avez plus. Rosmila, vous avez besoin de quoi pour fonctionner mes travails. Par Johnny Service. Parce que nous en pile. Je dois faire mon Dieu, mesdames. Nous en pile, Rosmila. Et voilà, mesdames et messieurs, c'est avec information ça nous mettez bout dans la rubrique nous pour aujourd'hui. Merci d'être que vous avez liké, commenté, partagé et merci d'être que vous avez pris le temps d'inviter je moun entourage ou vin abonné ensemble avec Info 5 pour capable toujours être connecté avec bon information. Nous bon rendez-vous pour une prochaine sortie rubrique ça. Restez bénis et protégez-vous. Bye bye, à la prochaine.